Élu le 30 juin 2017, Stéphane Olichère a le 8 décembre dernier présenté sa démission au poste de président du MEDEF. La raison officielle donnée, il souhaite consacrer son temps à la gestion de ses entreprises. Le secteur de l'auto-école rencontre actuellement des difficultés puisque depuis le 6 novembre, l'inscription au permis de conduire s'effectue par voie électronique. Fini les démarches en préfecture, il faut désormais s'inscrire sur un site internet sécurisé. Une procédure qui prend du temps et rencontre des bugs informatiques, déplore les professionnels. C'est sa première vice-présidente, Nathalie Ohachu-Kapché, qui occupe le poste de président par intérim. En mars prochain, l'Assemblée générale du MEDEF désignera le successeur de Stéphane Olichère, le nouveau patron des patrons en Guyane. D'ici là, les appétits seront bien aiguisés.